tous et bienvenue dans cette deuxième vidéo de ce chapitre de l'initiation à la programmation d'un Arduino. Donc, vous venez de prendre en main le logiciel Code6 qui sera notre logiciel nous servant à programmer en ladder. Maintenant, vous allez réaliser votre premier vrai programme qui sera ce que l'on appelle une auto-alimentation. Donc, l'auto-alimentation vous fera utiliser deux entrées, une sortie, mais vous fera gérer l'image de cette sortie à l'intérieur même de votre programme. Ceci pour mettre en évidence ce que l'on verra juste après, qui sera l'utilité des bobines 7 et reset. Donc, je vous souhaite une bonne vidéo. Alors, un nouvel exemple. Recréons un nouveau programme. Toujours programme en ladder nommé plc-prg. On va faire des lignes qui ne veulent trop rien dire, mais un peu compliquées. Nous allons faire un premier contact normalement ouvert nommé DI1. Exceptionnellement, on ne mettra pas de commentaires. Et on va mettre 4 contacts comme ça à la suite. On va mettre DI2. DI3. DI4. Et DI5. Donc 5 contacts en série. De cette combinaison, une seule ne pourra alimenter la sortie. Que l'on va appeler DO1. Maintenant, nous allons prendre une deuxième sortie. Donc nous allons créer un nouveau réseau. Donc, sélectionner le réseau 001. Insérer. Réseau après. Ça nous offre une deuxième ligne de programmation. On veut, pour alimenter la sortie DO2, qu'on programme maintenant, DO2, les 5 contacts qui sont ici, plus un sixième. Donc, quand c'est comme ça, DI1, hop là, DI1, je vois si c'est possible de faire un copier-coller. A priori, bon, soit copier-coller, plus un sixième, qu'on va appeler DI6. Alors là, quelque chose saute aux yeux, c'est que pour alimenter la sortie DO2, il faut exactement les mêmes conditions que pour alimenter DO1, qui sont les 5 premiers contacts, plus un sixième. Donc là, c'est 5 contacts en série, mais parfois, imaginez-vous que ça peut être plusieurs conditions imbriquées, des programmes plutôt compliqués et assez lourds à regarder. Donc voilà. On va faire un premier essai. Donc vous avez constaté que ça marche. Si je mets les 5 premiers contacts à 1, on alimente. Donc forcément, il faut démarrer l'automate. Voilà. En ligne, simulation, démarrer. Si on met les 5 premiers contacts au travail, des contacts normalement ouverts, cela alimente la sortie DO1. En ce qui concerne la sortie DO2, les 5 premiers contacts sont au travail, mais le 6e ne l'étant pas, la sortie n'est pas activée. On active le 6e contact, on active la sortie DO2. Jusque là, je pense que vous avez compris. Alors il y a une méthode bien plus simple et plus claire pour cela, c'est qu'en fait, on va dire au deuxième réseau, à la deuxième ligne, que pour l'alimenter, il faut que on ait DI6 et que l'on ait DO1. Alors, on est bien d'accord que DO1 est une sortie. Ça, ce n'est pas un problème. Par contre, c'est une sortie lorsque c'est représenté par deux parenthèses. Vous devez savoir qu'on a le droit d'utiliser l'état d'une sortie comme information. Donc, pardon. Cliquons sur le deuxième réseau. Insérons un contact normalement ouvert que l'on va nommer DO1. Voilà. Ça veut dire que pour alimenter DO2, il faut DI6, ça on ne peut pas y échapper, et toutes les conditions nécessaires pour alimenter DO1. On va refaire un essai, accéder au système, on va cette fois démarrer l'automate tout de suite. Donc,
on va passer les 5 premiers contacts à 1. On voit que DO1 est alimenté. Donc on a son image ici. Donc, un contact portant le même nom, donc ayant tout le temps le même état que la sortie, qui passe à 1. Pour autant, DO2 n'est pas alimenté, car DI6 n'est toujours pas 1. Maintenant, si on passe DI6 à 1, on voit que l'on peut alimenter cette sortie. Donc retenez bien ça. Il est souvent très utile d'utiliser l'état d'une sortie comme élément d'un programme. Donc une sortie porte son nom, soit DO1, n'est réellement une sortie que lorsqu'elle est entre parenthèses. Or, lorsqu'elle est mise sur un contact, on la considère comme une entrée. Alors, nous voici arrivés à notre premier exemple qui va synthétiser l'ensemble des choses que l'on a vues précédemment. Donc, vous allez essayer de faire par vous-même ce que l'on appelle une auto-alimentation, c'est-à-dire qu'avec deux contacts en entrée, vous devez réussir à auto-alimenter une sortie. Alors, une auto-alimentation, qu'est-ce que c'est? C'est lorsque j'appuie sur un premier bouton, j'alimente une sortie. Je relâche ce bouton, ma sortie reste alimentée. Et pour l'éteindre, il faut que j'appuie sur un deuxième bouton. Donc, je vais commencer par vous donner les variables qui vous seront nécessaires. Donc, une variable DI1 qui sera le contact qu'on appellera de mise en marche. Donc, contact de mise en marche DI1. Un contact DI2 de type booléen toujours, qui sera le contact de mise à l'arrêt. Et une sortie DO1 de type booléenne, qui sera la sortie. Alors, donc, le cahier des charges est que un appui sur DI1 alimente DO1 et la laisse alimenter même si nous relâchons DI1. Un appui sur DI2 éteint DO1. Lorsqu'on relâche DI2, DO1 reste éteint. Essayez déjà de réfléchir par une première solution qui pourrait faire cela. Je vais vous donner deux indices par la suite. Pour l'instant, mettez la vidéo en pause et essayez de trouver une première solution. Si vous bloquez, reprenez la vidéo et vous aurez les deux indices. Donc, mettez en pause. Voilà. J'espère que ça n'a pas été trop compliqué. Si ça l'est, fonctionnez par étapes. C'est-à-dire que essayez tout d'abord de faire une auto-alimentation sans coupure. C'est-à-dire que vous devez essayer de faire en sorte qu'avec DI1 et DO1 uniquement, un appui sur DI1 alimente DO1. Et lorsque vous relâchez DI1, DO1 doit rester alimenté. Donc, je répète, vous appuyez sur DI1, ça alimente DO1. Vous relâchez DI1, et pour autant, DO1 doit quand même rester alimenté. Vous devez réussir à faire ça avec uniquement DI1 et DO1, point barre. Donc, essayez de le faire. Je vais vous redonner un deuxième indice, mais avant, remettez en pause, réfléchissez-y un peu, et je vous donne le deuxième indice juste après. Donc, voilà pour le deuxième indice. J'espère que vous avez réussi à faire l'auto-alimentation sans coupure. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave, je vous donnerai la solution juste après. Si vous avez réussi à le faire mais que vous n'arrivez pas à l'arrêter, pensez à utiliser DI2 cette fois, de telle sorte que lorsque l'on ne fait aucune action dessus, il soit transparent pour le système. C'est difficile de le lire sans donner la réponse. Donc, sans aucune action dessus, il soit transparent pour le système, et lorsqu'on effectue une action dessus, il interrompt le système. Donc, essayez d'y penser, remettez en pause, je vous donne la solution juste après. Donc voilà pour ce qui concerne la solution. Alors, en fait, on va y aller par étapes comme je vous l'ai expliqué. Donc déjà, ce qu'on veut, c'est alimenter DO1. Ça, il n'y a pas de souci. Et on veut l'alimenter, le mettre en marche avec DI1. Là, actuellement, si on appuie sur DI1, on alimente DO1. Point barre. C'est bien. Nous, ce qu'on veut, c'est que lorsque l'on relâche DI1, DO1 reste alimenter. Donc pour l'auto-alimenter, on va utiliser ce que l'on a vu précédemment avec un contact en parallèle.
utilisant l'image de DO1. C'est-à-dire que, on va passer en action, vous allez mieux comprendre, on va démarrer l'automate. Lorsque l'on appuiera sur DI1, on alimentera DO1, et donc l'image de DO1 passera. Lorsqu'on relâchera DI1, l'image de DO1 prendra le relais et l'alimentera. Attention, action. On vient de passer DI1 à 1. Donc DO1 est passé à 1, donc son image aussi. Ce qui fait que maintenant, si on passe DI1 à 0, le contact, l'image de DO1 étant mis en parallèle de DI1, celui-ci prend le relais et continue à alimenter DO1. Donc c'est très bien, le seul problème est que on n'a aucun moyen de l'éteindre. On a beau jouer comme on veut sur DI1, ça ne change rien. Alors ce qu'il faut faire pour cela, c'est utiliser DI2, de telle sorte à ce qu'il puisse interrompre le système lorsque l'on exerce une action dessus. Donc pour ceci, rien de tel qu'un contact normalement fermé en série, qu'on appelle donc DI2. Démonstration. On passe en marche. Donc on voit que DI2 au repos laisse passer la tension, donc sera comme inexistant pour l'instant. Et ceci est notre système précédent. Donc on sait que lorsque l'on appuie sur DI1, on alimente DO1. On relâche DI1, DO1 reste alimenté et même auto-alimenté. Et par contre, cette fois, nous avons la capacité de couper DO1 avec une action sur DI2. Contact normalement fermé. Au travail se ferme. Enfin, au contact devient non passant. Donc bloque l'auto-alimentation de DO1. Donc DO1 ne pouvant plus s'alimenter par lui-même, s'éteint. On relâche DI2. Et on se retrouve dans l'état du montage initial. Donc hop, DI1, une impulsion, s'alimente DO1. Et le laisse alimenter. Une impulsion sur DI2 éteint DO1. Donc voilà ce que l'on appelle une auto-alimentation. Donc les choses importantes à voir, c'est déjà le contact en parallèle qui prend le relais de DI1. Ce contact en parallèle est l'image de la sortie. Donc en gros, la sortie se substitue à DI1 lorsqu'elle est alimentée. Et pour couper tout cela en série, nous mettons un contact normalement fermé, qui donc lorsqu'aucune action n'est exercée dessus est passant, donc c'est comme si c'était un fil. Et on vient exercer une action dessus pour couper l'alimentation, l'auto-alimentation, ce qui fait retomber DO1.